informer en temps réel de l'avancée de l'enquête. Merci, monsieur le ministre. Madame Julie Lernos. Monsieur le ministre, mes collègues n'ont pas manqué de vous interpeller tour à tour sur la multiplication des plans sociaux dans notre pays. J'aimerais moins insister sur la situation particulière en Loire-Atlantique, dans le domaine notamment de la transition énergétique. En effet, cela fait des mois que la saignée industrielle a été entamée en Loire-Atlantique sans que votre prédécesseur n'ait daigné agir. La fermeture de Systovie, d'abord, l'une des dernières usines françaises de panneaux solaires, suivie d'une hécatombe de plans sociaux chez Saunier Duval, General Electric ou encore Cordemais. Il y a urgence à agir face à cette hémorragie industrielle dans le bassin nantais, tant elle impacte tout un territoire, de nombreuses familles et surtout un outil industriel souverain clé pour réussir la transition énergétique. Aussi, monsieur le ministre, je vous enjoins à réunir d'urgence les acteurs économiques et politiques et institutionnels du territoire pour enfin apporter des réponses concrète à cette situation absolument critique sur le front de l'emploi, de l'industrie, mais aussi de la réalisation des objectifs de la transition énergétique. Monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Vous évoquez la filière photovoltaïque. Je pense que c'est un bon exemple d'une filière où nous avons été probablement trop naïfs. On évoquait tout à l'heure la sortie de la naïveté. Il est vrai que nous avons soutenu, dans le cadre de cette filière, des importations qui venaient pour beaucoup de Chine. S'agissant des dossiers d'entreprise que vous évoquez, vous dire simplement que sur le dossier Saunier Duval en particulier, la situation est suivie de près par les services de l'État, et notamment par le commissaire au redressement productif que vous avez peut-être rencontré et avec lequel vous avez peut-être échangé. Nous suivons au niveau de mon cabinet ce dossier, qui est un dossier important, et j'ai demandé à mes services de monter dans les tout prochains jours un rendez-vous avec la direction de l'entreprise. Enfin, vous dire que je suis tout à fait ouvert à venir, ou en tout cas à échanger avec les élus. J'aurai l'occasion de me rendre dans votre région dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et faire un plan global et un diagnostic global de la situation des filières qui sont particulièrement représentées chez vous pourrait faire partie. Merci. De notre ordre du jour. Merci, monsieur.